Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vous montrer une nouvelle box qui m'a été envoyée par cette marque. Ça s'appelle la box que j'adore et en fait elle a été créée par le magazine du même nom sur internet. Elle s'inspirait du style parisien. Cette box en fait c'est la quatrième édition, elle paraît tous les 2 mois, elle contient 6 produits un petit peu particuliers. C'est pas exactement une box cosmétique comme j'ai l'habitude de vous montrer. Là c'est un petit peu cosmétique et lifestyle en fait, il y a des produits un petit peu pour la vie. Sinon autrement, donc elle contient normalement un produit bio, un cosmétique, un accessoire, un produit culturel, un gadget et une surprise. Donc ça fait au minimum 6 produits qu'on vous envoie, je trouve que c'est quand même une grande box. Alors cette quatrième édition donc, celle du mois de mars-avril, elle s'appelle Rêve de printemps. Elle est vraiment, vraiment de saison, voilà, super jolie, j'aime beaucoup le style du dessin. Et on va tout de suite l'ouvrir donc. Voilà, à l'intérieur, tout d'abord vous trouvez une petite carte postale comme ceci, en fait qui représente le jardin du Palais Royal et toujours dans le style un petit peu de dessin de la marque. Donc c'est une vraie carte postale avec la petite place pour le temps, vous pouvez l'envoyer, elle est assez jolie. Ensuite vous avez le petit guide avec un petit peu la description des produits, comment ça s'utilise, où les trouver, leur prix, tout ça. Et ce que j'ai bien aimé c'est aussi des espèces de petites fiches recettes. Alors, comme ceci dessous, avec comment faire une couronne de fleurs fraîches, comment utiliser les bombes de graines, c'est un produit que je vais vous présenter, comment faire une infusion anti-stress à la lavande, comment décorer des pots de fleurs, voilà, c'est... Il y a un petit peu d'idées, je trouve ça assez sympa, il est aussi très joli, toujours dans le même style de dessin. On passe aux choses sérieuses. Le premier produit reçu, c'est un bracelet de la marque Lucky Team. C'est un petit lien en satin d'inspiration, je crois, brésilienne et qu'on noue au poignet. Donc je crois qu'il y a pas mal de modèles différents. Moi, j'ai reçu celui avec les moustaches, je trouve ça adorable. Moi, j'adore, je trouve ça très mignon, les moustaches. Donc voilà, en ce moment, je vous mettrai tout en barre d'infos sur mon article. Vous avez un code de réduction pour avoir moins 15%, je vous mettrai tout ça sous la vidéo. Deuxième produit, il s'agit du cosmétique, c'est la marque Joveda. Il s'agit du gommage visage à la papaye pour tout type de peau. C'est un tube de 100 ml et je trouve que c'est une super idée. En fait, il est composé de papaye, de poudre de coquille de noix et de kaolin, en fait c'est de l'argile blanche, donc évidemment tous ces produits vont bien nettoyer, désincruster on va dire les pores et surtout enlever les cellules mortes qui sont à la superficie de votre peau, et du coup ça va lui donner un petit coup d'éclat. Et je trouve que c'est une... je trouve que ce produit a l'air prometteur. Je ne l'ai pas du tout testé comme aucun produit en fait de cette box pour l'instant, parce que je viens juste de la recevoir, donc j'ai pas le recul encore nécessaire pour vraiment vous donner mon avis dessus. Mais voilà, je trouve que c'est assez prometteur. Ensuite, on passe aux produits bio. Alors, en fait, il s'agit d'une boisson à l'hibiscus. Donc, c'est composé d'eau, je crois que c'est des feuilles d'hibiscus et de sucre. C'est un produit, c'est très très rouge. Il y a aussi une petite carte pour soutenir le projet sur le site. Je vous mettrai aussi tout ça, toutes ces infos dans l'article. Et du coup, cette petite bouteille fait 250 ml de bouteille en verre. Que je vais goûter sous vos yeux. En fait, je l'ai laissée au frais, je crois que c'est conseillé de la boire glacée. Elle est fabriquée en France. Voilà, je vais ouvrir ça. Ça sent très bon, ça sent... c'est très acidulé en fait. Alors l'hibiscus, j'ai lu qu'il y avait des propriétés, en fait, des vertus anti-inflammatoires et stimulantes parce que c'est plein de vitamines. C'est très très bon, c'est très acidulé et légèrement sucré. Je sais pas si vous aimez ce genre de saveur, mais ça passe très très bien. Et c'est vrai que frais, c'est délicieux. On passe ensuite aux gadgets. Alors c'est vraiment, je trouve, le produit qui n'est pas du tout gadget. En fait, ce sont des bombes de graines de fleurs de la marque City Gardener. Je crois que c'est un produit allemand. Et en fait, ce sont des petites boules comme ceci. Composé, je crois, d'humus et d'humus. L'humus, c'est le plat avec les pois chiches, la petite préparation. Donc de l'humus et de l'argile. Et en fait, les petites graines sont à l'intérieur. Il suffit de les déposer un petit peu là où vous voulez que ça germe, en fait.
À la première pluie, l'eau détériore, on va dire, la protection et les graines sont protégées jusqu'à qu'elles puissent germer. Et vraiment, vous les plantez pas, vous les posez, je crois, sur la terre où vous voulez qu'elles poussent. Je trouve que c'est une super idée. Il y en a une dizaine, je crois, à l'intérieur. Et moi, j'ai reçu la version, il y en a trois. Butterfly Delight, c'est papillon de prairie. En fait, je crois qu'il y a 25 sortes de graines de fleurs à l'intérieur et j'ai vu des photos, ça a l'air vraiment très coloré et j'ai vraiment super hâte de les utiliser, surtout que j'ai vu qu'on pouvait les planter dès le mois d'avril. Alors ça, c'est vraiment sympa de pouvoir envoyer un produit qu'on puisse utiliser tout de suite parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de devoir attendre plusieurs mois. Je les imagine très bien sur mes balcons, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et je trouve que c'est mon coup de cœur de cette box, cette idée de petites graines comme ça. Je trouve ça formidable. Le produit culturel, c'est un petit livre comme ceci. J'adore la couverture, je la trouve vraiment trop belle avec les petites gouttes colorées, on dirait des petits ballons de baudruche qui s'envolent. Alors en fait, c'est un mini-livre des petits collecteurs Marabout. Je crois que c'est une gamme un peu psychologie, je sais plus très bien. Et il s'appelle « Et si on choisissait d'être heureux », c'est Dominique Chapeau. C'est un petit guide qui vous donne des petites astuces pour être plus heureux, cultiver les petits riens, les joies simples de l'existence, réenchanter sa vie. Donc je trouve que c'est une bonne idée, même si je pense pas avoir vraiment besoin de cours parce que je sais pas, je trouve ma vie assez sympa déjà comme ça. Et ça a l'air assez bien fait, assez ludique, il y a des petits tests, tout ça. Et c'est en format vraiment, vraiment miniature. Vous voyez la taille de ma main, c'est vraiment. C'est quelque chose à glisser dans son sac à main pour les transports en commun, par exemple, ou ce genre de choses, ou pour aller à la plage. Voilà, j'ai vu qu'il existait aussi plusieurs titres. Alors, si ce modèle de petit bouquin vous plaît, vous aurez l'embarras du choix. Mon dernier produit, en fait, c'est un accessoire. C'est un foulard de la marque Marc Labat. C'est un grand, grand carré de tissu avec des petites plumes. Voilà, qui est assez doux, comme ceci. Je crois que c'est un grand format, il fait 1 mètre sur 1,80 m ou quelque chose comme ça. Je trouve ça assez sympa, les couleurs sont assez printanières, assez fraîches, donc c'est facile à sortir, je pense. Vous avez vu tous les produits donc de cette box. Cette box donc apparaît, je vous ai dit, tous les 2 mois. Elle coûte 24,90 € il me semble. Et après mes petits calculs, là la valeur cumulée de tous les produits que j'ai reçus, c'est 59,85 €. À qui c'est destiné? Aux personnes, je pense, qui adorent les surprises dans leur boîte aux lettres. Alors encore plus que les surprises que cosmétiques, parce que là vraiment, vous avez des petites choses, j'allais dire à grignoter, là c'est plutôt à boire. Vous avez des choses pour la maison, un petit peu de lecture, enfin de choses culturelles, il y a un petit peu pour tous les goûts. Je trouve que c'est vraiment une super idée d'être aussi varié. Donc pour vous abonner en fait, soit vous choisissez la formule avec un abonnement, donc on vous envoie une box tous les 2 mois pour 24,90 € aussi tous les 2 mois évidemment. Soit vous achetez des espèces de forfaits de 3 box ou 6 box. D'ailleurs pour les 6 box, il y a une offre de parrainage. Je vous mettrai aussi toutes les infos en barre d'infos sur mon article. J'espère que cette box vous aura plu. Je ne sais pas si vous la connaissiez déjà, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ben, je vous souhaite un super week-end. À bientôt!